Pur alliage de sport et d'art. Exigeant. De l'adresse. De la mesure, c'est-à-dire la force exacte à donner Robille. Une connaissance et une maîtrise de soi-même. Une discipline sévère. Une volonté farouche. Un entraînement suivi de ses muscles et de son cerveau. L'amour du beau dans l'exécution des points et le goût de l'harmonie dans leur enchaînement et, bien entendu, les champions de billard sont soumis, comme dans tous les autres sports du reste, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, à un entraînement suivi. Solitaire, raisonné, et cela plusieurs heures par jour. Bravo, Paul Cospel. On voit bien que vous êtes champion de France. Si vous voulez. Mais bien que champion de France, le problème pour moi n'est pas résolu. Car au billard, vous le savez peut-être, le problème le plus difficile consiste à essayer de maîtriser trois sphères qui roulent et qui s'entrechoquent. Et seuls les grands champions peuvent parfois arriver à ce merveilleux résultat. C'est pourquoi nous allons avoir le rare privilège d'accueillir le maître Roger Condy, qui a, heureusement pour notre sport du billard, terminé son extraordinaire carrière en formant la plupart de nos champions actuels. Et Dieu sait si je suis bien placé pour en parler. Il fut, vous le savez, le champion mondialement connu et au palmarès prestigieux. Je vous rappelle ses performances. Plusieurs fois champion du monde au jeu de cadre comme au jeu de trois bandes. Détenteur de 13 records du monde avec Bille d'Ivoire. Médaille d'or des sports. Et chevalier de l'Ordre national du mérite. Et nous allons le faire revivre, ce champion, grâce à un magnifique documentaire produit par Pathé Cinéma, qui fut primé et qui a fait le tour du monde. Et maintenant,
Chers amis du billard, place au film et écoutons le commentaire de l'époque. Regardez bien l'homme qui descend de cette 4 chevaux. C'est le plus extraordinaire champion de billard que le monde ait jamais connu. C'est Roger Conti. Depuis bientôt 30 ans, ce Béarnais règne sur ce sport comme aucun autre champion ne l'a jamais fait dans aucun autre sport. Ce footing quotidien est-il l'arme secrète qui lui permet à 50 ans passés de réaliser des performances toujours plus étonnantes. Un peu plus tard dans la matinée, il est au travail. Comme un violoniste fait des gammes, lui vérifie son mécanisme par des exercices d'assouplissement. Viennent passer un moment en compagnie du maître. Vous trouvez là aujourd'hui le boxeur du Ménil, le coureur El Mabrouk, l'acteur Pierre Trabot, la danseuse Danielle Darmance, en plus de quelques célébrités du billard amateur. Tiens, puisque par extraordinaire Conti s'entraîne à l'américaine, demandons-lui ce qu'est exactement cette forme de jeu. Bien, la série américaine est une position le long des bandes que l'on recommence presque indéfiniment. Je vais d'ailleurs vous en donner une démonstration. Ce monsieur impassible est Fernand Drouet. Il fut l'un des plus grands champions professionnels français. Et précisément à l'américaine, dépassa souvent la série de 1000. Admettons que c'est un connaisseur. Arrêtez, arrêtez. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour contourner le coin? Vous pourriez recommencer? Eh bien, cela s'appelle tourner l'américaine. La tournée pour la continuer par là, je vais recommencer d'ailleurs, vous allez voir. Voilà, je peux continuer comme ça, évidemment, c'est... on vous ennuie avec ça. Alors, si je comprends bien, quand on possède l'américaine, on est fort à la libre. Oui, mais à condition de l'avoir, cette position spéciale. Comment ça, l'avoir? C'est-à-dire de l'obtenir, de l'apprendre. On ne l'a pas toujours. Et l'obtenir, c'est toujours un tour de force. D'ailleurs, je vais essayer de prendre l'américaine en tentant, si vous le voulez bien, une position spéciale. Voilà, je vais partir cette position et je vais essayer, au bout de quelques coups, de prendre l'américaine. Mais c'est une position facile. Oui, c'est entendu, mais je vous ferai remarquer que la rouge et la blanche ont une tendance à échapper vers le centre du billard. Je vais être obligé de tourner la position, c'est-à-dire de passer en palais de billes, pour prendre l'américaine vers la petite bande. Alors j'avance la blanche, et je reste sur la rouge. Alors je passe entre les deux. Et je vais rappeler la blanche pour rapprocher de la petite bande. Je vois l'américaine qui dessine très bien. Endiguer ce déluge de carambolage qu'on a été obligé de trouver autre chose pour les grands joueurs. Exactement. Et on a inventé les jeux de cadre. Que vous considérez tout de même comme de la grande musique. Si vous voulez,
À la vérité, les jeux de cadre aujourd'hui sont les jeux qui seuls classent les hommes et jaugent les valeurs. Des lignes tracées à 47 cm des bandes déterminent des rectangles et des carrés. Dans l'ancien cadre à deux coups, la zone centrale était libre, mais sortie de cette zone, on ne pouvait faire qu'un point dans l'un quelconque des secteurs numérotés. Au second coup, obligation de faire sortir une bille. Ayant fait quelques points dans la zone libre, Roger Conti fait un rappel de la rouge. Ce rappel n'est pas impeccable. Il va rectifier par un demi-massé. Après un nouveau rappel, il obtient cette fois une position parfaite. Les billes sont entrées dans le cadre 2. On va maintenant les rapprocher de la bande dans un secteur jugé favorable. Au coup suivant, il faudra sortir une bille du cadre 2. Voyez, la blanche est sortie au millimètre près. On passe légèrement à droite de la blanche. Cela s'appelle prendre la dominante. Le rappel de la blanche est parfaitement exécuté sur la ligne. Ainsi, Roger Conti obtient la position dite à cheval, qui est le moyen pour les très grands joueurs de faire échec aux règles du cadre. Placement favorable sur la blanche, afin d'obtenir un rappel exact au coup suivant. Ce rappel s'achève évidemment sur la ligne. Attention, blanche et rouge viennent d'entrer dans le cadre 1. Une difficulté se présente. Conti hésite, il a le droit de faire un seul point. Voilà, maintenant il faut sortir une bille. Il sort la blanche et rappelle la rouge avec une extraordinaire précision. Tout est rentré dans l'ordre, bille 2 et bille 3 sont proches l'une de l'autre à proximité de la ligne. Notez qu'à ce jeu, au cours d'un match mémorable, Roger Conti, pulvérisant tous les records du monde, réussit une série de 1214. C'est à la suite de cet exploit qu'on supprima la zone libre, qui dans l'actuel 47-2 intégral est devenue un cadre comme les autres. Mais deux coups, c'est encore une trop grande tolérance aux yeux du maître, qui ne se passionne vraiment que pour le cadre de 47-1, où il faut faire sortir une bille à chaque coup. Ici, le voisinage des lignes est une nécessité absolue. La blanche est sortie d'extrême justesse. C'est maintenant au tour de la rouge d'être sortie et rappelée. Ah, un incident. Les billes sont en ligne. C'est le redoutable masque. Heureusement, Conti s'est massé, nous nous en doutions. Et la position est rétablie. Rappel de la rouge par deux bandes. Un point de préparation et de la main gauche. Un rappel parfait sur la ligne qui donne une impeccable position à cheval que Conti va s'efforcer d'épuiser, comme on dit. À ce jeu d'une infernale difficulté, le maître a établi un record du monde qui semble à jamais hors d'atteinte, une série de 416 points. Ce qui veut dire que pendant près de 2 heures d'horloge, il n'a pas manqué un seul carambolage. C'est tout simplement stupéfiant. Et pour finir, vous allez assister à une démonstration de haute fantaisie classique. Profitons de ce que Conti se repose un instant pour vous donner quelques explications. Cette spécialité exige des qualités musculaires exceptionnelles de puissance, de vitesse et de précision. Les parcours des billes vous paraîtront déconcertants, sinon invraisemblables. C'est pourquoi nous vous garantissons formellement la parfaite authenticité de ces coups qui ne comportent aucun trucage. Voici pour commencer un fouetté rétro par trois bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Un coup de même famille, mais plus compliqué, car il est en quatre bandes et avec obstacle. Une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes et le point. Couler, sauter, trois bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Coup de trois bandes par bande avant. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Coup dur avec obstacle. Vous remarquerez l'ahurissant parcours en dents de scie que va suivre la bille. Une bande, deux bandes et le point. Couler rétro trois bandes au ralenti. La difficulté est de toucher deux fois la même bande. Massé en touchant d'abord la blanche, pourtant complètement cachée.
Marsay, de même famille, au ralenti. Par la violence de l'attaque, la bille du joueur fait d'abord 3 sauts, semble manquer son but et, comme téléguidé, revient toucher la rouge en premier. Couler rétro avec obstacle. Un coup de même nature au ralenti. La bille du joueur, ayant chassé la rouge, fait 3 sauts pour contourner la blanche, qu'elle ne doit caramboler qu'après avoir fait 3 bandes. Couler sauter avec obstacle. Il faut caramboler en contournant la quille sans la toucher. Marsay dit du chapeau de gendarme. Après une attaque sans appui, éviter l'obstacle et revenir caramboler par 3 bandes. Une bande, 2 bandes, 3 bandes et le point. Un fantastique Marsay par 5 bandes dans le coin. Au ralenti, le plus extraordinaire Marsay qui ait jamais été enregistré par une caméra. 5 bandes dans le coin, dont 4 fois la même. Et enfin, pour terminer cette éblouissante démonstration, le fameux coup de la quille. Et maintenant, si d'aventure vous pénétrez dans une académie de billard, vous comprendrez mieux l'espèce de recueillement qui caractérise la pratique du noble jeu. Vous saurez l'importance de chacun de ces gestes rituels qui précèdent l'exécution d'un coup. Vous ne vous étonnerez pas de lire dans le regard tendu de ce garçon un effort de concentration qui est indispensable, car dans une partie, chaque point compte et d'un seul point peut dépendre la défaite ou la victoire. Vous admettrez qu'on puisse être un mordu de ce sport comme d'autres le sont du football ou du tennis. Et vous serez indulgents pour ceux-là qui ne se décident pas au soir de leur vie à s'éloigner de ces tables de match qui leur dispensèrent naguère tant de joie et tant de peine et qui rêvent peut-être d'un paradis peuplé de billards où les séries seraient à la mesure de la vie éternelle. Après cette émouvante rétrospective, voici le maître Conti, avec bien entendu quelques années de plus. Bon, je tiens à vous remercier, les compliments font toujours plaisir, surtout à mon âge. Je vous en prie. Puisque je vous tiens, maître, me permettez-vous de vous poser une question. Quelle est votre réaction en vous revoyant au temps de votre prééminence ? Eh bien, il est évident que j'ai beaucoup vieilli. Mais comme j'ai beaucoup vieilli, avec ce que cela comporte obligatoirement de décrépitude, il faut dire le mot, de décrépitude physique, cérébrale, visuelle, je suis peut-être mieux que quiconque placé pour apprécier comme il convient la virtuosité du champion, qui me ressemble un peu, bien entendu, mais qui me donne l'impression, et je ne puis m'empêcher de demander quand même, si ce champion qui paraît jongler avec l'ivoire, c'est bien moi. Votre réaction assez amusante m'entraîne à vous poser une autre question, plus délicate, parce qu'un tantinet indiscrète. Maître, n'êtes-vous pas malheureux de n'être plus l'homme que vous avez été ? Vous avez raison, 100 fois raison de le souligner. Je ne suis plus de loin, de très loin, l'homme que j'ai été. D'ailleurs, s'il en était autrement, le billard ne serait pas un sport. Je ne suis plus l'homme que j'ai été. D'ailleurs, oui, je le répète, le billard ne serait pas un sport, mais je ne suis pas malheureux. Et les deux vers de Corneille dans le site, vous connaissez, qu'on est digne d'envie, lorsqu'en perdant la force, on perd aussi la vie, ces deux vers ne sauraient me concerner. Non, je ne suis pas malheureux d'abord parce que je suis en bonne santé, grâce à Dieu, ce qui n'est déjà pas si mal. Et que j'ai eu la chance, la grande chance de pouvoir faire, après ma carrière de champion, que j'ai volontairement terminée, imbattue, de pouvoir faire une deuxième carrière, moins spectaculaire peut-être, et moins importante à ce point de vue que la carrière du champion,
mais qu'elles me permettent, comme je le souhaitais, de transmettre et mon expérience et ma propre conception du billard. Et croyez que j'ai été récompensé. Si vous saviez en effet, comme il est doux de pouvoir se dire, que certains espoirs que j'ai pris sous ma coupe alors qu'ils étaient enfants brillent aujourd'hui au firmament du billard, et cela grâce à moi, enfin un petit peu grâce à moi. Et combien il est agréable de constater que certains jeunes qui n'auraient vraisemblablement pour moi, étant donné mon âge, que indifférence, je n'y pas pitié, mais enfin, mettons indifférence, viennent régulièrement à moi dans les cours que je donne, confiants, attentifs, avec dans le regard, et ça c'est merveilleux, cette étincelle que je connais bien, et pour cause, me donnant ainsi l'impression, ou plutôt l'illusion, la magique et divine illusion, que j'ai presque leur âge. Je dis presque, bien entendu. Et ça, croyez-le, ça n'a pas de prix. Et puis, mais cela sur notre plan, il est quand même doux dans ma retraite, dans ma demi-retraite, de constater une fois encore que certaines performances mondiales que j'ai été le seul à accomplir à Côte d'Ivoire sont toujours là, debout, tout là-haut, comme inaccessible. Et ça, c'est encore quelque chose. Et puis, il y a mon livre, Le billard, c'est inconnu, que vous connaissez, du moins je l'espère. Ce livre qui a nécessité plus de 10 ans de travail acharné, mais combien passionnant. Ce livre que je considère comme l'œuvre de ma vie, que le président Gallet a bien voulu, il faut dire que le président Gallet est un ami, a bien voulu dans son étincelante préface qualifier de Bible du billard. Ce livre que je lis, que je relis périodiquement avec la même ferveur, avec la même juvénile ferveur, qui reste le fidèle compagnon de mes vieux jours et que je n'abandonnerai que contraint, forcé, c'est-à-dire, vous l'avez deviné, à mon dernier soupir. À moins, car tout peut arriver, que la Providence, dont les voies, vous le savez, sont impénétrables, estimant peut-être que j'ai bien mérité, non pas de la patrie, bien entendu, mais du sport qui fut ma vie, ne m'ouvre les portes du paradis. D'un paradis, bien entendu, aurait des billards à perte de vue, des billards de mal, entendons bien. Et où Saint-Pierre, miraculeusement converti grâce à mon livre « Beauté du billard et ses mystères », ne me demande quelques éclaircissements supplémentaires sur certains de mes grands principes qui sont conduits dans mon livre, hors desquels, vous le savez, il ne saurait y avoir de salut. Vous le voyez, je suis comblé. On a dit, maître, que vous deviez votre prééminence, lorsque vous étiez champion, bien entendu, à un meilleur cerveau, c'est-à-dire à une forme de jeu plus logique, plus simple, mais peu spectaculaire, et aussi à un mécanisme révolutionnaire, que vous considérez comme votre plus belle trouvaille. Qu'en est-il exactement? Écoutez, d'abord, je ne crois pas à meilleur cerveau. Mais ce que je puis affirmer par contre, c'est que au billard, la conception, c'est-à-dire la façon d'enchaîner les points, car vous savez qu'au billard, on enchaîne les points comme on enchaîne les mots, on fait des phrases, est à peu de choses près le reflet du tempérament. Quand je suis arrivé à Paris, à 18 ans, comme jeune professionnel, les augures de l'époque se sont penchés vers moi. Et après m'avoir joué, ont décidé que j'avais un jeu de vieux. Ils avaient peut-être raison, car si avoir un jeu de vieux, c'est considérer par exemple que, admettre que la série n'est pas qu'une succession de pointes exécutées avec plus ou moins de brio, mais une suite de problèmes à résoudre, des problèmes différents, avec des difficultés différentes, qui nécessitent dès lors des attentions et des soins différents. Alors là, je suis d'accord avec eux, j'ai un jeu de vieux.
Si avoir un jeu de vieux, c'est se mettre définitivement dans le crâne que mon muscle n'est pas une machine, c'est-à-dire qu'il est sujet fatalement à des défaillances fatales et normales, et qu'il faudra dès lors soulager, je parle du muscle bien entendu, alors là, encore une fois, j'ai un jeu de vieux. Si, dans l'enchaînement des points, je m'efforce à, chose admirable d'ailleurs, combien passionnante, à essayer de maîtriser la matière afin d'éliminer le hasard, alors là, j'ai toujours et plus que jamais un jeu de vieux. Si avoir un jeu de vieux, c'est considérer le masque comme la conséquence d'une faute, et que le masqué qui doit y remédier est toujours difficile et dangereux, parce que si on le manque, on laisse toujours fatalement les billes à l'adversaire, alors là, plus que jamais, j'ai un jeu de vieux. Mais il est de l'ordre, il est dès lors normal qu'avec un raisonnement pareil, ma façon de jouer, parce que empreinte de simplicité, de sobriété, de comment dirais-je, d'attention multiple, et soit peu spectaculaire. Mais elle sera par contre cette phrase d'une admirable efficacité qui assurera les performances. Quant à mon nouveau mécanisme, que je considère en effet comme ma plus belle trouvaille et comme absolument révolutionnaire, nous allons voir et apprécier ses vertus en passant, si vous le voulez bien, sur un billard. Nous voici sur un billard et nous allons revenir à ce coup de queue, ce nouveau coup de queue que je considère, vous le savez, comme ma plus belle trouvaille et que j'appelle révolutionnaire. Mais pourquoi l'appelez-vous révolutionnaire ? Ah, mais écoutez, je l'appelle révolutionnaire, d'abord par rapport au coup de queue classique, parce qu'il a sur eux des qualités considérables. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et vous verrez qu'il est en effet révolutionnaire. Il faut que je dise d'abord qu'il y a au billard 6 coups de queue différents, je le dis d'abord dans mon livre, il y a 6 coups de queue différents. Mais ce coup de queue trouve sa parfaite application dans simplement 3 coups de queue, qui sont les billes de près et qui, dans la technique moderne, permet de conserver les billes. Et ça, c'est important. Il y a en effet le coup de queue de placement. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un coup de queue de placement. Vous voyez, on joue sur cette bille avec la bille du joueur, qui est la bille 1, la bille 2 et la bille 3. Je joue sur la blanche. Coup de queue de placement, je fais ça, je me place sur la rouge, parce que le placement engendre le rappel, quand le rappel est bien fait. À ce moment-là, deuxième coup de queue, je fais ceci, vous voyez, voilà, et là j'ai les billes en lunettes, qu'on appelle dans le billard les billes en lunettes. Et ça, c'est un troisième coup de queue que j'appelle les billes de près, les billes en lunettes. Ce sont 3 coups de queue différents, pas tellement différents, à peu près de même famille, qui sont tous les 3 basés sur le poids essentiel de la queue. Avec la différence que dans le rétro, c'est-à-dire dans le rappel, ce sera un lancer de queue intégral, un lancer de queue. Mais c'est un lancer de queue. Dans l'autre, par exemple, dans le placement, ça sera un accompagnement intégrale du poids de la queue, et dans les billes en lunettes, ça sera, avec le corps plus près, avec des positions différentes, un poussée de queue intégrale. T'as compris? Quand tu n'as rien à dire. Tu sais, c'est difficile, si tu veux que je veux dire, bah, et moi, toi j'en ai énormément pas beaucoup. Ah oui, justement, c'est très bien, la réflexion est très pertinente. Eh bien, vous verrez, ce qu'on appelle côté, vous voyez, c'est tout poussé, ça ne vaut rien au billard. Mais tu verras tout à l'heure, parce que tout vient à son temps, nous allons, avec un corps plus près, justement, éviter le cotage. Et ça,
J'en ai revivé avec une tranquillité relative, morale et physique. Et pourquoi? Parce que le poids de la queue sera arrêté par le poids de la bille. Et nous le verrons tout à l'heure. Bon. Et nous allons commencer par le coup de queue de rappel. Qui demande, vous voyez, le rappel, qui demande un lancer de queue intégral. Vous voyez, je le répète, voilà la bille. Parce que vous le savez sans doute, la bille du joueur s'appelle la bille 1, la bille sur laquelle on joue, c'est-à-dire la rouge, s'appelle la bille 2, et la bille sur laquelle on carambole en dernier s'appelle la bille 3. Ce coup de queue est très difficile. Non pas, évidemment, si on le joue comme ça. Vous comprenez? Si on le joue comme ça. Alors là, évidemment, il n'est pas difficile. C'est pas ça qu'il faut faire. Je vous ai dit que ces coups de queue permettent de conserver les billes, avec évidemment des prix de billes appropriés, des effets appropriés. Alors ce coup de queue est très difficile, pourquoi? D'abord, parce qu'il faut attaquer très bas. Et attaquer très bas, pour bien entendu reculer. Et attaquer très bas est toujours difficile, parce qu'il faut toucher d'abord ce point. Si on attaque trop bas, on peut faire sauter la bille ou faire fausse queue. Si on attaque pas assez bas, on reste sur place. Et ensuite, et ça c'est la chose la plus fantastique, et c'est sûrement la qualité la plus extraordinaire au billard, c'est qu'il faut absolument donner à la roue la force exacte. C'est ce qui s'appelle la mesure. Il faut que dans ce coup-là, la roue fasse ça et arrive exactement sur la mienne. Il faut qu'elle fasse ça, vous voyez, je la chope là, vous voyez. Et ceci, voilà. Et ceci demande, dans la mesure, une précision remarquable et une hésitation, parce qu'on veut donner en général, parce que vous verrez qu'à mon coup de queue, on ne le fera pas, on veut donner la détente exacte. Parce que voilà, par exemple, ce qu'on fait dans le coup de queue que j'appelle classique, c'est-à-dire dans l'ancien coup de queue que j'ai... dont je me suis servi pendant des années, voilà ce que je voulais faire. Puisqu'on va le faire toujours. Vous voyez, je veux faire ceci. Je veux, pour donner la force exacte à la rouge, je commence à faire ceci. Vous voyez, je lime, une fois j'hésite, deux fois, trois fois, quatre fois. Pour donner la détente exacte, pour être là. Et puis à un moment donné, vous voyez, votre coup de queue n'est pas parti. Parce que j'ai fait ça et j'ai retenu ma queue. Tandis que vous allez voir, avec mon coup de queue, mon nouveau coup de queue, qui est basé, je le répète, sur le lancer de queue, uniquement sur le lancer de queue, sans la retenir. D'ailleurs, à titre expérimental, je vais vous faire ce coup-là en lançant littéralement la queue, c'est-à-dire en ne l'en tenant pas. Ça paraît un fait. Je vais essayer de faire ça. Je vais la lancer. Vous voyez, je vais faire ceci, je vais l'avancer, je vais essayer, voilà. Vous allez voir là. Et le voilà parfait. Je vais le recommencer, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, je ne la serre pas, je la tiens là. Regardez. Voilà. Vous parlez de lancer la queue, oui. Mais ne risque-t-on pas de tout pousser, de queuter? Je vous dis qu'il fallait lancer intégralement la queue dans les rétros, d'une certaine distance, c'est pour les rétros, ça. Les autres coups, vous savez, les deux autres coups, je vous répète qu'il y a trois coups de queue, ça n'est pas du lancer de queue intégrale, je crois vous l'avez dit, c'est de l'accompagnement du poids de la queue, c'est-à-dire... dans les rétros de placement, vous voyez, de l'accompagnement, vous voyez, et dans l'autre, quand on a les billes très près en lunettes, c'est du pousser de queue, du pousser de queue, pas du lancement. Il n'y en a qu'un là, c'est le rétro de demi-distance. Bon, pensez bien, si un rétro comme ça, on ne peut pas lancer la queue. Et pourquoi on ne queute pas dans ce rétro? Parce que le poids de la queue est arrêté totalement par le poids de la bille. Il y a qu'à lancer, vous le verrez, on ne peut pas trop fort. D'ailleurs, je vais vous faire maintenant un rétro, qui sera beaucoup plus difficile que l'autre, parce que
La 2, vous voyez, doit faire un parcours nettement plus long, puisque vous voyez la blanche, et là, doit faire une bande devant, mais doit revenir sur la rouge. Je vais essayer de le faire, et toujours en 1, avec ce coup de queue expérimental, c'est-à-dire sur le plat de la main, qui prouve bien que j'atteins pas. Alors, on va voir. Et bien, vous voyez que j'ai laissé marquer. Oui. Vous voyez, alors, bien entendu, je n'ai pas joué comme ça. Mais je vais, afin de bien lancer la queue, de rechercher des positions similaires. Vous voulez dire des positions de la main droite? De la main droite similaire, bien entendu. Par exemple, nous reprenons le premier coup de queue. Vous voyez, le premier, vous vous rappelez que j'ai joué. Quelle est la position qui se rapproche le plus, qui se rapproche totalement, pour ainsi dire, de la position expérimentale qui est comme ça? Eh bien, vous voyez, là, elle repose, la queue, le talon de la queue repose sur la main. Et là, elle va reposer, je ne veux pas la tenir, la queue, il ne faut pas la tenir. Elle repose sur le pouce et le bas. Voilà. Et là, je vais pouvoir la lancer. Et je vous dirai pourquoi les avantages. Alors, je vais essayer, voilà. Et je vais la lancer comme tout à l'heure. Vous allez voir, je vais la lancer. Là. Et le voilà parfait. On retrouve le lancer intégral. C'est le lancer intégral. Je vais recommencer encore si vous voulez. Je la lance, la queue. Je suis obligé de la lancer puisqu'elle ne tient pas. Oh, ça y est. Je vais me la lancer mieux. Voilà, vous voyez le bout de doigt là. Et voilà. Et vous posez la queue sur le tapis volontairement? Je la pose sur le tapis pour bien montrer que je m'en débarrasse. D'ailleurs, je vais en faire en rétro tout à l'heure, le même que j'ai fait tout à l'heure, en la tenant comme ça, je vais le faire maintenant. Avec une position normale, c'est-à-dire, et je vais la laisser tout à fait avec la position normale. Vous allez voir, je vais la laisser tout à fait, je vais la poser sur la queue, sur les amis. Là, regardez, je vais poser sur le tapis, regardez ce que j'obtiens, regardez cette ligne. Elle ne semble pas rouler. Eh oui, elle semble, elle a l'impression de jouer avec des règles. Alors, voilà. Maintenant, on va me dire quel est l'avantage de ce coup de queue lancé. D'abord, vous savez qu'au billard, le trac a une importance considérable. Et que le trac vous paralyse, tu vois. Or, si déjà vous la tenez comme ça, ce qu'on fait de façon classique, vous voyez, non seulement le bras ne peut pas partir à côté du trac, mais si vous la tenez, il part encore moins. Tandis que si je la lance, le trac aura moins de prise puisque je m'en débarrasse. Voilà le premier avantage. Ensuite, une chose qui est assez bien, vous savez ce que c'est que la mesure. La mesure, c'est-à-dire la force exacte à donner à la deux, en génération à deux, c'est-à-dire à la rouge. On fait ceci, je vous remets tout à l'heure. On veut donner cette détente exacte. Alors on la cherche, regardez. On fait ça. On fait ça. Pourquoi j'ai cette hésitation qui s'appelle l'ima? Parce que je cherche à la trouver, cette détente exacte. Et je muse nerveusement. À telle enseigne, il m'est arrivé, quand j'étais champion, bien que champion, de limer jusqu'à 13 et 14 fois. Vous vous rendez compte que c'est parce qu'il n'y avait plus synchronisme entre mon cerveau et mon bras. Et c'est pour ça que j'ai recherché autre chose. Et j'ai mis des années à trouver ça. Vous voyez? Finalement, le muscle n'a plus l'importance qu'il avait. C'est ça. Ou si vous voulez, ce coup de queue permet de soulager le muscle. Oui. Terriblement. Vous voyez? Je peux faire ça. Je voulais faire encore. Je vais le faire. Je joue relativement. Vous voyez? Je vais lancer la queue. Je vais relativement tranquille, moi je vais laisser la queue sur le billard là.
Voyez la partie de sa queue. Regardez, c'est assez curieux de ces soldats-là. Ah ouais. Mais vous donnez l'impression d'avoir fait le point avant d'avoir lancé la queue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que vous arrivez très lentement en position et vous lancez cette queue à fond à cause de la préparation. Ah, voilà, ça c'est autre chose. D'ailleurs, vous remarquez que pour l'instant, nous ne traitons qu'un coup de queue. Mais je vais répondre à ta question. Oui, je donne l'impression qu'il y a une préparation. Oui, il y a une préparation, je veux dire pourquoi. Vous savez, d'une façon générale, même les gens qui sont très doués, et parce qu'ils sont très doués, ne font pas de préparation. Ils se sont doués. Ça ne se fatigue pas. D'ailleurs, vous savez, quand on est doué, on voit tout, tout facile. Pas comme quand on a beaucoup de facilité. On voit tout facile, et on ne se fatigue pas. Alors voilà un coup, par exemple. Vous voulez savoir pourquoi je donne cette impression et je vais dire rien. Voilà un coup. Je veux bien entendu rappeler la rouge, ça c'est de la mesure, c'est la force exacte, et je veux toucher cette bille avec une quantité exacte. C'est la touche mal, dire. Et en plus, je veux, là c'est du sans-effet, je veux toucher ce sans-effet et bas. Or, toucher une bille sans-effet, ça n'est pas facile. D'abord, il faut l'évaluer, ce point neutre. Vous savez, sans effet, c'est le point neutre. Il faut l'évaluer, visuellement. Et quand vous l'avez évalué, il faut le toucher. Alors voilà, tu peux poser cette question, c'est amusant, c'est intéressant. Alors voilà ce que je fais. Je me recule, parce que plus on se recule, mieux on voit. Voilà la brique de bille. Voilà le bas. Je m'avance sans quitter les yeux. Et maintenant, vous voyez, plus rien ne compte, vous voyez. Sauf la bille 1. La 2 ne compte plus parce que je suis dans la ligne de direction. À telle enseigne, on peut faire toute l'expérience, je le ferai après, que ce coup-là, quand je me suis bien préparé, je peux le faire en fermant les yeux. Je suis, je peux le faire. Je ne me tromperai pas dans la prise de 2. Alors voilà, je ne trompe pas, tu vas voir, voilà. J'avance. Là. Voilà. Là. Et maintenant, je ferme les yeux. Là. Donc vous voyez, la 2 n'a plus d'importance, plus rien n'a d'importance parce qu'il y a une préparation indispensable avant. C'est un point qui est ramené à 1. Tu comprends? Alors, autre avantage de ce coup de queue lancé. Pour vous dire, c'est un multiple d'avantages. Voilà un rétro, par exemple. Voilà. Le joueur se dit, il faut aller sur la gauche. Il croit, on lui a dit, il y a des débutants, que pour aller sur la gauche, il faut prendre sa ligne à gauche. Ça n'a aucune importance. L'effet n'a de l'importance que sur la ligne 2, pas sur la ligne. Alors il fait ceci, comme il ne fait aucune préparation, c'est normal, il n'a pas d'expérience, et qu'il tient la queue. Il ne donne pas beaucoup de lancer, il tient la queue. Alors voilà ce qu'il va faire. Il va faire comme ça, vous voyez. Et voilà. Et au tout dernier moment, pour aller sur la blanche, il va faire ceci. Voilà. Il a voulu l'accompagner sur la blanche. Voilà ce que j'ai fait, je n'ai pas fait exprès. C'est ce qu'on appelle le fauchage. C'est ce qu'on appelle le fauchage. Autre avantage du lancer de queue dans les rétros, surtout dans les rétros. Voilà un coup, par exemple. Vous voyez, c'est un rétro. Où la bille 3, encore une fois, la bille 1, c'est la bille du joueur. La bille 2, c'est-à-dire la rouge, et la bille sur laquelle on joue, et la bille 3, c'est sur laquelle on carambole, on fait comme un merde. Alors dans ce coup-là, d'une façon générale, un joueur, même assez averti quelquefois, se dit ceci, il se dit, je vais toucher cette bille, d'accord, ou alors il ne fait pas cette préparation, ce qu'il veut surtout, c'est la faire aller à gauche. Et alors il prend de l'effet à gauche, d'ailleurs. Parce qu'on lui a dit, quand il débutait, que pour aller à gauche, l'effet n'a d'importance que sur la ligne 2. Alors voilà, ce qui fait, ce qui l'intéresse, c'est de venir en gauche. Alors comme il ne donne pas, lui, c'est lancer la queue. Il donne ce coup de queue classique, c'est-à-dire qu'il y en a que, voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire, très certainement. Là. Voilà, je manque une fois, là, j'ai fait ça. C'est-à-dire, ça s'appelle. C'est le fauchage. Le fauchage. Alors nous, on ne fait pas, c'est pas possible. Alors que s'il faisait ça,
encore, s'il le faisait. Voyez, il voit la prise de deux, il s'éloigne, il la voit, il veut l'imputer. Ah, maintenant, c'est la 1 qui compte. Je vais lancer la queue, donc, puisque je la lance, je m'en débarrasse, il n'ira pas à gauche. Je m'en débarrasse, et voilà, voilà ce que je vais faire, là, là, voilà, je m'en débarrasse. Voilà, évidemment, pas de choses. Ils sont d'accord ? Oui, tout à fait. Bon. Parce que je suis là pour reprendre votre question. Alors ça, c'est un des trois couplets. Il faut répéter toujours les mêmes choses. Parce que c'est nouveau. C'est-à-dire le rétro. Le rétro qui va être fait en lançant intégralement le point, le poids de la queue. Deuxième point, c'est le rétro de placement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, le placement, vous savez, le placement engendre le rappel. Quand il vient, il vient. Je ne vais pas lancer tout là. Mais ce sont des coups de costume qui sont morts. Mais encore une fois, je peux le faire encore comme ça. Mais pas en lançant, en l'accompagnant. Voilà, regardez, je l'accompagne. Le voilà. Voilà un rétro de placement. Qui est parfait, parce que maintenant, vous voyez, je peux faire celui-là en lançant la queue. J'ai lancé la queue et tout est remis en place. Alors, vous voyez, le coup de queue, c'est le deuxième coup de queue. Ce rétro de placement, de placement, qui se fait toujours par le poids de la queue, on ne le fera pas comme ça. On le fera toujours en posant la queue, non pas comme ça, comme ça. Alors là, sur le bout du doigt. Vous voyez, c'est-à-dire la même chose, sur le bout du doigt, vous voyez, en avançant ou en reculant la main, selon l'importance. Alors vous voyez, le bout du doigt, regardez, et j'accompagne les mots. Voilà le bout de queue de placement qui part. C'est abandonné. La queue est abandonnée, si vous voulez. Parce que vous voyez, je la mets à bonne distance. Si vous êtes un motoriste, regardez, là, voilà. Voilà le rétro parfait. Alors voilà un coup de queue, par exemple, qui fait de toute vitesse, de poignée au cœur, il y a des gens qui vont faire ça. Alors c'est du bon sens. Parce qu'ils ont fait ça. Ils ont fait des détentes. Nous, il n'y a pas de détente. Celui-là, c'est un coup de queue mort. Et toujours, ou avec le bout du doigt, ou avec le bout du doigt, ou ceci. Et alors, nous allons voir maintenant le troisième coup de queue, qui est le coup de queue des billes en lunettes. Alors là, c'est terrible parce que... On va le mettre ici, si vous voulez. Voilà le coup de queue des billes en lunettes. Parce que là, incontestablement, on risque le cutage. Il demande tellement de nuances, tellement de légèreté, une détente... avec le coup de queue, ça c'est qu'une détente tellement minime, pas avec notre coup de queue, vous le verrez, qu'encore une fois, on cherche. Alors, on se rapproche, on s'allège, on fait comme ça, reste ici près, là, on cherche, là, je m'allège, dernier se soulever son pied comme si on voulait s'envoler, voilà. Voilà. Oui. J'ai fait deux points, vous rendez-vous, si je me suis usé nerveusement. Alors qu'au contraire, ça va être différent, vous voyez, ça va être différent. Je vais toujours, je vous passe ça comme exemple, mais en rapprochant de la main droite, parce que habit de près, corporel, habit de loin, corporel. Alors regardez, je pousse, je me fatigue pas, regardez, je pars, regardez. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous donnez dans l'esprit le même coup de queue que oui. Vous bridez par la position du corps. Mais évidemment, je donne le coup de queue, le même principe du poids de la queue. Du poids de la queue, mais non pas en avançant, bien entendu, mais là, en laissant tomber, en poussant. Vous voyez, je pousse. Vous voyez ce que je veux dire ? Lentement. Ah, je pousse comme ça. Et le coup de queue. Ma queue est arrêtée par le paradigme. Alors tout est considérablement simplifié musculairement. Et alors, vous pourriez me dire pourquoi je l'ai appelé la positionnaire en ce qui me concerne. C'est que
J'ai mis des années à trouver ça. Je l'ai mis au point vraiment, à un âge où généralement les champions sont en écrit. J'avais fait... Et ceci me rappelle une histoire, c'est que pendant la guerre, je donnais des leçons, j'avais besoin de vivre, j'avais l'air marinier. Et un jour, j'étais un peu, je lisais dans mon livre, le billard, ça devait être connu, j'étais au milieu de malades. Et j'ai vu des choses fantastiques. Et un jour, un monsieur vient, il me dit, monsieur Gonti, je veux pas avec vous parce que je cote tous les coups. Alors, mais non, alors évidemment, je prends un air, mais non, on va ranger ça. J'étais pas très tranquille d'ailleurs. Et alors, je le vois, il me monte un coup comme ça, vous voyez. Je me souviens très bien. Enfin, on coupe ça. Pas tellement près. Alors il se met à serrer terriblement la main, il commence à faire. Ah non, mais c'est pas possible, je jouais plus léger. Il n'y arrivait pas. J'étais tellement découragé, je lui ai écouté, comprenez une fois. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé vraiment. Voilà. Écoutez, voilà. Mais écoutez, voilà, faites ceci. J'ai une lueur, je ne sais pas comment, une heure de. Pas de génie, ce serait trop beau. Je l'ai écouté, mettez votre queue là, sur là, et poussez, cotez tout. Alors il fait ça, il pète tout, et puis il fait ça. De façon parfaite. Alors j'ai vu, c'est là que j'ai vu vraiment que j'étais dans le vrai. C'est assez curieux, mais j'ai mis des années à le faire. Bon, pas de questions posées. Alors écoute, d'ailleurs, écoutez, tu as pris des leçons avec moi, hein? Et moi, je t'ai fait travailler ce coup de queue, et nous allons, tu vas jouer un peu, hein? Bon, alors, tu vas, le lancer de queue, le lancer de queue. Tu vas me faire, bien entendu, un rappel sur la rouge, et tu vas me dire ce que tu penses, parce qu'il faut penser, évidemment. Voilà. Dis-moi autrefois. Je vais d'abord penser à la quantité de billes que je dois prendre. C'est ça. De façon à ce que cette 2 revienne sur le mien. Le plus possible sur la tienne. C'est très bien. En le mettant loin, voilà, de façon à apprécier la quantité. Ça fait partie de la préparation. Oui, très bien. Ensuite, je vais penser... Comme il faut donner une certaine force à la rouge. Je vais penser à la mesure. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que je vais partir de loin. De loin. Et comment vas-tu partir de loin? Ah, pense-le. À toi, comment vas-tu partir de loin? Instinctivement ou plutôt logiquement? En reculant la main droite? Non, non. En reculant le pied droit d'abord. Lequel pied droit entrait par son recul, l'épaule droite et bien entendu la main sur le talon de la queue. Alors tu recules ton pied droit d'abord, et évidemment le bras suivant. Et après, tu prends cette position où la queue repose sur le pouce et le majeur, et tu lances la queue. Comme si tu voulais cuter, comme si tu voulais tout pousser. Et tu sais que tu ne pourras pas, parce qu'encore une fois, le poids de la queue sera arrêté par le poids de la bille. Et tu dois donner un coup de queue impeccable. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute religieusement. Donc, j'apprécie la quantité. Je pense que je peux le jouer sans effet. Oh. Allez, tu regardes, attention, tu as le trac, attention. Coup de queue très lent, tu lances la queue. Parfait comme coup de queue, mais tu t'es trompé dans la quantité de 2. Vous voyez, dans la rouge, il a pris la mauvaise quantité de 2. Parce qu'il n'a pas donné d'importance à sa préparation. C'est-à-dire qu'il s'est allé assez loin. Tu vas, mais le coup de queue était bon. Alors recommençons-le. Recule-toi. Donc il faut que je m'en dans ces coups-là. Non, non, je te l'ai dit d'un coup. Pour être sûr d'être pris de bout, tu te recules d'abord. Et tu fais ceci, tu baisses en mettant la queue. Et là, tu la vois, cette quantité de là, tu la vois. Et maintenant, tu la vois et tu l'avances sans la quitter des yeux. Or, tu n'as pas fait ça. Alors baisse-toi un peu, tu vois que tu vas le faire. Je me trompe de faire. Je t'écoute. Voilà, tout le monde te regarde. C'est la quantité. Je m'approche. Bravo, bravo, bravo. C'est un coup de queue merveilleux. Et tu as laissé la queue sur le mien. C'est merveilleux. Tu as encore l'autre?
Alors tu vas faire celui-là maintenant. Celui-là. Je t'écoute, parce que je t'écoute dans le raisonnement que tu vas tenir automatiquement. Je vais d'abord penser au trajet de la 2. Oui, fait de bande, qui touche la grande bande et la petite bande ensuite, et qui va venir. Qui est par conséquent beaucoup plus long que tout à l'heure. C'est un jeu, oui, le trajet est beaucoup plus long. Alors, donc, il va falloir jouer plus fort. Non, jamais plus fort. Il va falloir la lancer de plus loin. Pour nous, nous ne jouons pas plus fort. Nous allons prendre une position différente qui va nous permettre, nous obliger, même si nous ne voulions pas, puisque nous parlons de plus loin, à la lancer de plus loin. Et donc à donner plus d'énergie à la 2. Évidemment. Donner plus de force à la 2. Allons-y, je t'écoute. Regarde la prise de vie d'abord. Tu te baisses. Voilà cette quantité. Je m'approche des 10. Et tu lances la queue contre nous. Tu veux le recommencer? Il est parfait, le coup de queue est parfait. Recommençons encore. Le coup se remarque un peu plus difficile. Le trajet, tu vas un peu, et cette nuit va reculer davantage. Oui, c'est-à-dire un peu plus bas. Cette fois-ci, tu te blesses très bien. La 1 va faire un trajet un petit peu plus long. Bon, c'est vrai. Très bien. Et là aussi, tu prends un peu plus bas. Allons. Donc je vais prendre plus bas. Bon. Alors dis, tu l'as vu, ça te permet. Tu verrais. Très bien. Tu te baisses, tu la vois cette quantité. Voilà, les deux. Tu avances sans la quitter des yeux, bravo, sans la quitter des yeux. Et maintenant, le point est résolu, c'est celui-là qui compte. Et tu la lances à fond. Oh, il est parti. Voilà encore. Regardez ça, oh que c'est merveilleux. Tout est compliqué. Alors ça, c'est merveilleux.